là, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Nous, je vais être un peu seule, c'est totalement normal puisque Roro est avec Joe en train de nettoyer le garage. Dans le sens où aujourd'hui c'est le grand jour puisqu'on va vider enfin notre garage. C'était une horreur jusqu'à présent. L'ancienne piscine, du coup, on a décidé de l'acheter tout simplement. Parce que comme vous le savez, on avait eu des souris, tout ça machin. On sait jamais si liner est percé, si on remet cette année. Je sais pas du tout quel va être le titre de cette vidéo puisqu'il y a énormément de choses à vous montrer. Mais juste avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. N'hésitez pas non plus à venir nous suivre sur Twitch, on est en live tous les jours dessus. C'est Duo Off. De toutes les manières, le lien sera en description. Et en tout cas, merci à tous ceux qui rentrent le code créateur Duo dans la boutique Fortnite. C'est juste énorme ce que vous êtes en train de faire en ce moment, donc merci beaucoup et n'oubliez pas de le mettre, c'est 3 lettres, ça prend pas de temps et ça nous aide énormément, sachant qu'en plus bientôt il y a la nouvelle saison de Fortnite, donc merci à tous ceux qui le font et merci à tous ceux qui le feront après cette vidéo. Donc aujourd'hui c'est simple, je suis sortie tout à l'heure, c'était une de mes plus grosses sorties depuis le déconfinement, du coup je suis allée chercher de quoi manger ce soir parce qu'on a des potes à la maison, on va faire un énorme barbecue, je vais vous montrer ce qu'on a pris, enfin ce que j'ai pris et franchement pépite. Pareil, j'ai acheté plein de nouveaux trucs pour les chiens parce que bah, Pico, ça faisait 2 ans qu'il avait le même panier, le pauvre. Du coup, j'avais envie de leur prendre un, donc je lui en ai repris un. J'ai repris un tapis avec Xena aussi. J'aurais repris une laisse, un collier, des trucs à manger. De toute façon, je vais tout vous montrer. Et là, du coup, bah, pour le garage, je sais pas si je pourrais vous montrer en temps et en heure, étant donné que là, ils sont en train de le vider. Mais ça va être nickel, franchement. J'ai trop hâte parce qu'on avait vraiment trop de trucs. T'as quelque chose à dire, Pam? Quoi? T'as quelque chose à dire? Non. Non. C'est bien ce que t'as fait. Du coup, là je lui ai pris une nouvelle laisse à Xena parce que la sienne était un peu courte. Bah, c'était celle qu'on avait prise à la SPA. Et je lui ai pris un nouveau collier, Moumoun. Hein, ma fifi. Il est trop beau, franchement, je trouve que ça lui va trop bien. T'es trop belle comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, là, ils rentrent de la promenade, donc on leur a pas encore enlevé leur truc. Qu'est-ce qu'il y a, ma fifi? T'en peux plus? Toi aussi, t'en peux plus? Ça lui va trop bien, je suis trop contente. Je lui ai repris un tapis comme ça. Et c'est un tapis lavable, donc ça va être grave bien. Je lui ai pris un biberon pour boire. Là, je lui ai repris ça, je sais même pas ce que c'est. Oui, bah, regardez-le. ça, c'est os de bœuf. Ça, je crois que bah, c'est pareil. Arrête, Pico. Ça, c'est pour quand on n'est pas là, Quick. Pas maintenant. Non, non. Assis. Assis. C'est pas maintenant. Là, c'est quoi ce truc? Os fourré à la viande, ça y kiffe. Au moins, ils peuvent y lâcher pendant des heures et des heures. Et ça, c'est des masques de bœuf. Je sais pas trop ce que c'est, mais du coup, ça les occupera quand on n'est pas là. Oh, vous n'en pouvez plus, là. Mais... Et là, j'ai repris un petit coussin comme ça pour Quico. Au moins, il sera tranquille dedans parce qu'il avait le sien en rond, mais qui datait d'il y a 2 ans. Plus l'ancien coussin rond qu'elle voit la Pico, du coup. Du coup, bah voilà, elle avait pas vraiment besoin de coussin. Moi, je vais lui laver le sien et au moins, voilà, ils seront tranquilles pour l'été. Qu'est-ce qu'il y a, Xena? Ah oui, là, par contre, en fait, on a un léger problème. C'est que Pico vient de s'enfuir parce que on avait laissé la porte du garage ouverte et ils étaient en train de vider le garage. Du coup, ils viennent se barrer en courant. Voilà, donc Xena est un peu complètement paumée. Je sais pas comment on va se démerder. Dans le sens où, et bah, pendant qu'ils étaient en train de vider le garage, ils se sont rendus compte que la déchetterie, et bah, elle fermait à 18h, c'est-à-dire alias dans 5 minutes. Donc, c'est bon, t'es revenu? Hein? T'as fait ta balade? Putain, incroyable ce chien, il en rate pas une, vraiment. Pour ceux qui pourraient éventuellement se poser la question, ce soir il y aura bien évidemment un live. Pas parce qu'on fait un barbecue avec des potes qu'il y aura pas de live, puisqu'on le fera après. Je suis en train de ouvrir mon frigo en même temps pour vous montrer ce que j'ai pris pour ce soir. Franchement, j'ai trop hâte, ça va être archi bon. Je vais tout casser. En dessert, j'ai fait ça. C'est fraise framboise, voilà. Trop bon, la base. Là, j'ai pris, je crois que c'est des faux filets. Mettre du beurre. Arrête de souffler. Vous arrêtez? Xena, s'il te plaît. Oula. Bah ouais. Là j'ai pris des merguez. Là j'ai pris des saucisses. Là j'ai pris ça, je sais même plus ce que j'ai pris. Non, ça c'est les faux filets. Et ça c'est quoi? Ça c'est des côtes de porc. Voilà, ça c'est les côtes de porc normales. Ça c'est de la dinde à la provençale, je crois. Du taboulé comme ça. Ah, bah, du coup c'est des pilons de poulet provençal. Enfin, ça sent archi bon. Franchement, c'est cool. Ça sentir, ça sent trop bon. Puis, ah oui, c'est du bœuf. Bœuf à je sais pas quoi. Je sais plus. À la persillade, je crois. Trop bon. Voilà, c'était brochet. Bon, voilà l'état actuel du garage. Il en reste quand même pas mal. Là, du coup, ils sont partis en voiture, Joe et Roro. Il en reste vraiment pas mal. Donc, je pense qu'on va refaire des allers-retours d'ici demain ou dans la fin de la semaine. Et je vais nettoyer tout le garage pour que ce soit tout nickel. Et puis voilà. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas si ça va être une vidéo courte ou pas. Au moins, je voulais vous montrer tout ce qu'on a prévu pour ce soir. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur Twitch. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!